Les anges m'ont emmené de là et nous nous sommes mis à descendre. J'ai demandé aux anges, où m'emmenez-vous? J'avais très peur et soudain la terre s'est ouverte. J'ai dit, où m'emmenez-vous? Que m'arrive-t-il? Nous sommes descendus droit dans le centre de la terre. C'était terrible, tout y était très sombre. Je ne pouvais pas deviner où les anges me conduisaient. Nous sommes arrivés à un endroit où j'ai aperçu une lumière très vive. Il y avait une porte sous la terre. C'était une porte très horrible. Il n'y a rien sur la terre qui soit aussi horrible que cette porte. Le Seigneur m'a dit, voici la porte de l'enfer. J'ai cru que j'avais été condamné à l'enfer pour tout ce que j'avais fait dans le passé. Il y avait un homme qui m'attendait là. Notre Seigneur Jésus est merveilleux. Le Seigneur Jésus m'attendait devant la porte de l'enfer. Il m'a tendu la main. Il avait les clés en main et a ouvert la porte de l'enfer. Et d'horribles créatures en sortaient. J'ai dit, Seigneur, que m'arrive-t-il? Aie pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer l'enfer et tout ce qui s'y trouve, afin que tu sois effrayé et pour que les autres comprennent à travers ton témoignage qu'il y a un enfer. J'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas aller là-bas. Le Seigneur m'a dit, ma fille, viens avec moi, viens. Une fois à l'intérieur, les démons essayaient de se saisir de moi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas voir ça. J'ai essayé de me couvrir la face avec les mains, mais tout restait toujours bien visible. Là-bas, tu vois tout, tu entends tout et touche tout, comme les autres âmes qui se trouvent en enfer. Je suis entré avec le Seigneur. Les démons ont essayé de se saisir de moi, mais le Seigneur ne l'a pas permis. J'ai vu comment les âmes étaient torturées en enfer. Il y avait plusieurs compartiments. Le premier groupe d'âmes perdues, c'était les homosexuels et les lesbiennes. Le Seigneur m'a conduite à un endroit. Ceux qui s'y trouvaient étaient chrétiens lorsqu'ils étaient sur la terre et avaient servi le Seigneur. Mais ils faisaient en même temps des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Après leur mort, ils se sont retrouvés en enfer. Le Seigneur m'a montré un pasteur qui abusait de la parole de Dieu de son vivant. Ce pasteur était homosexuel. Ce n'était pas un enfant de Dieu, car les enfants de Dieu ne font pas de telles choses. J'ai vu comment les démons le torturaient. Ils le plaçaient dans un tube et le faisaient tourner encore et encore. Il souffrait énormément. De son vivant, il pratiquait son crime avec des petits-enfants et aussi avec des hommes. Toi qui écoutes ce témoignage, si tu pratiques aussi de telles choses, l'enfer est réel. Il y a une punition qui attend tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il s'attache à sa femme.
J'ai vu comment cet homme était tourmenté en enfer. Son corps explosait et se reconstituait après pour à nouveau subir les mêmes tourments encore et encore. Le Seigneur lui a dit, Fils, sur la terre tu as eu toutes les occasions de te repentir et de changer tes voies. Sa vie sur terre a défilé sur un écran que le Seigneur a fait apparaître. On pouvait y voir un homme âgé en train de lui dire de ne pas suivre le mauvais chemin, mais d'obéir à la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur lui avait dit par diverses personnes lui était montré à l'écran. Il avait refusé de se repentir et de changer ses voies. Un jour, il est mort des suites d'un accident et il s'est retrouvé en enfer. Il se faisait passer pour un pasteur alors qu'il ne l'était pas. Le Seigneur lui a tourné le dos et l'homme a commencé à blasphémer. Il n'y a pas d'amour en enfer. Il n'y a absolument rien. Il n'y a que tristesse et d'horribles souffrances. Pendant que j'étais là, c'était comme si j'étais sur le point de mourir. J'ai dit, Seigneur, je sens que je vais mourir. Le Seigneur m'a dit, ma fille, tu es morte. Découvre ce que les âmes souffrent en enfer, ma fille. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus supporter. Mon âme brûle. La chaleur est terrible. Seigneur, je n'en peux plus. Le deuxième groupe d'âmes perdues, c'était les prostituées. Le Seigneur m'a conduite à un endroit. Et là, j'ai vu les démons en train de tourmenter une femme. Cette femme était prostituée lorsqu'elle était sur la terre. Elle avait connu le salut et le Seigneur l'avait sortie de la prostitution. Mais elle y était retombée et était devenue pire qu'avant. Elle est morte, assassinée et se trouve maintenant en enfer. Au lieu de se marier et mener une sexualité que Dieu approuve, elle offrait son corps pour de l'argent. Dieu hait ses actes. Ce sont des abominations devant sa face. La femme était nue. Les démons la maintenaient plaquée au sol et la torturaient. J'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Le Seigneur a dit, non, ma fille, sur terre, elle a eu toutes les occasions de se repentir. Le Seigneur lui a montré un écran où défilait sa vie. On y voyait comment des évangélistes sont allés lui dire de soumettre sa vie à Jésus, mais elle n'avait jamais obéi à la voix de Dieu. Elle se trouve en enfer maintenant. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui offrent leur corps pour de l'argent. Peut-être c'est la profession que tu exerces pour nourrir tes enfants. Peut-être tu n'as pas de mari. Dieu te dit aujourd'hui de revenir à lui. Dieu prendra soin de toi et de ta famille. Toutes les femmes qui se prostituent, je m'adresse à vous. Repentez-vous aujourd'hui et revenez à Dieu en écoutant ce témoignage. Dieu a envoyé ce témoignage pour le salut de ton âme, pour que tu n'ailles pas dans ce lieu de tourment. Le troisième groupe d'âmes perdues, c'était les menteurs et les médisants. Le Seigneur m'a emmené là où les menteurs et les médisants se trouvent. J'ai vu comment ils étaient tourmentés en enfer. Ils souffraient horriblement. C'est très pénible de parler de l'enfer. Le commérage, la médisance peut te faire perdre ton salut. Médire de ton prochain, médire de ton pasteur peut te faire perdre ton salut. Repens-toi aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce témoignage. Reviens à Dieu et Dieu reviendra à toi, dit le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ils sont là. À cause du commérage, le Seigneur a dit, oui, juste à cause du commérage. J'ai dit, mais Seigneur, nous te demandons pardon quand nous péchons contre toi. Le Seigneur a dit, non, ces gens n'ont jamais demandé pardon. Ils ne se sont jamais repentis et ne sont jamais sortis de leur voie pécheresse. C'est pour cela qu'ils sont ici en train d'être tourmentés. C'est la raison pour laquelle nous devons nous réconcilier avec Dieu chaque jour, parce que personne ne sait quand il mourra. Si tu fais ces choses, repends-toi et reviens à Dieu. Le commérage peut te faire perdre ton salut. Le quatrième groupe d'âmes perdues était les idolâtres. Toi qui adores, qui te prosternes devant les statues, c'est devant les démons que tu le fais. Tu es un idolâtre. Repends-toi aujourd'hui et reviens à Dieu. Marie Lyons a été un démon. En enfer, les sorciers et les sorcières se prosternent devant elle pour l'adorer.
Les démons les torturent terriblement. Les flammes de l'enfer ne s'éteignent jamais. Elles brûlent pour toujours. Sache qu'aucun idolâtre ne verra la face du Seigneur. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut que tu arrêtes de vénérer et d'adorer des images. Dieu veut que tu l'adores. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et hors lui, il n'y en a point d'autre. Les gens sont forcés à l'adorer en enfer, même quand ils ne veulent pas le faire. Ils sont sérieusement tourmentés. Ils sont forcés à fumer des cigarettes pendant qu'ils l'adorent. Satan est un menteur. Il est venu pour tuer et détruire. Mais Jésus est venu pour te donner la vie, avec abondance. Le Dieu Tout-Puissant t'appelle aujourd'hui par le biais de cette vidéo. Je prie que tu comprennes ce message et les plans de Dieu pour toi. L'enfer est réel. J'ai passé 16 bonnes heures en enfer et j'ai fini par comprendre le but du message. C'est pour que je prêche, que je répande le message du salut avec passion à tous les hommes. J'ai vu Barbara et Shango en enfer. Vous qui vénérez et adorez Barbara, jetez ces statues hors de chez vous. C'est un démon. C'est elle qui est derrière la prostitution. Barbara n'a pas d'amour. Elle est pleine de destruction. Il y a beaucoup de foyers sans paix. C'est elle qui en est la cause. Tu pourrais être en train de te demander ce qui ne va pas dans ta vie. Peut-être tu as son image dans ta maison. Je prie que tu comprennes ce message et les plans de Dieu pour toi. En enfer, elle oblige les gens à l'adorer. Les âmes qui sont en enfer brûlent pour toujours. C'est terrible. Ils sont tourmentés dans les flammes. J'ai dit, Seigneur, as-tu donné à ces gens l'occasion de changer leur voie? Le Seigneur a dit, oui, j'ai envoyé mes serviteurs vers eux. Là même en enfer, un écran apparaît pour que ces gens eux-mêmes voient. Ils n'ont aucune excuse à présenter au Seigneur. Le Seigneur leur a montré toutes les occasions qu'ils ont eues quand ils étaient sur la terre. Si tu ne te repens pas et ne changes pas tes voies aujourd'hui, tu verras comme la mort te surprendra et tu finiras en enfer. Le cinquième groupe d'âmes perdues, c'était les alcooliques. Le Seigneur m'a amené à un autre endroit où les gens étaient en train de crier et de hurler. C'est le lieu où se trouvent les alcooliques. J'ai vu le compartiment où se trouvent les gens qui buvaient de l'alcool lorsqu'ils étaient sur terre.
Je te préviens, toi qui bois de l'alcool, repens-toi aujourd'hui. Cesse de détruire ton corps. Vous qui buvez de l'alcool, repentez-vous aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle par le biais de ce message. Dans ce compartiment, il y avait des tables sur lesquelles étaient posées divers types de boissons. Ils étaient forcés à boire malgré eux. Ils étaient enveloppés de flammes. Tout ce qu'ils buvaient en enfer était de l'acide, et je voyais leurs âmes exploser. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus voir ça, s'il te plaît. Il y avait là un homme, quand il était sur la terre, le Seigneur avait envoyé un évangéliste dans le bar où il était en train de boire. L'évangéliste lui avait dit de donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangéliste avait senti que cet homme était sur le point de mourir. Cet homme avait insulté l'évangéliste, la qualifiant de folle, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Ce même jour, cet homme est sorti du bar étant saoul. Il a eu un accident et s'est retrouvé en enfer. Et en enfer, il était forcé de boire. Il essayait d'échapper au tourment, mais les démons ne lui laissaient pas l'occasion de le faire. Il est en train d'être tourmenté en enfer pour toujours. Les fumeurs de cigarettes ont leur compartiment en enfer, de même que ceux qui fument de la marijuana. Ils sont tourmentés en enfer jour et nuit. La marijuana. Ceux qui adorent ou vénèrent les images. Peut-être tu te considères comme chrétien et tu honores, vénères ou adores des images. Tu dois te repentir aujourd'hui et donner ta vie à Jésus. Tu peux être très riche ici sur la terre, mais si tu ne te soumets pas à Jésus, tu finiras en enfer. Ton argent ne peut pas t'offrir le salut. Jésus-Christ a déjà payé le prix de ton salut. Alors, viens à lui. Un autre homme était contraint de boire et j'ai demandé au Seigneur qui c'était. Le Seigneur a dit, cet homme faisait partie de mes saints, mais il m'a abandonné et a décidé de suivre ses propres voies. Il est finalement mort dans son péché. Tout ce que le Seigneur disait de cet homme était montré sur un écran. Le message, le jour et l'heure à laquelle le Seigneur avait envoyé quelqu'un pour lui parler. Cet homme est en enfer maintenant à cause de sa désobéissance. Toi qui dis que tu ne crois pas en Jésus, je suis ici pour te dire que Jésus est réel. Sixième groupe d'âmes perdues, les femmes de Dieu, les prédicatrices. Il y a en enfer des femmes qui ont servi Dieu de leur vivant, mais elles n'ont pas voulu accepter les doctrines de Dieu et ont servi Dieu selon leur propre voie. Leur tourment était pire que tout ce que j'avais vu jusque-là. Cela m'a fait beaucoup mal, car ces femmes avaient servi Dieu lorsqu'elles étaient sur la terre. Le Seigneur m'a dit, j'ai plusieurs fois essayé de les corriger. Je leur ai envoyé des messagers les avertir, mais elles ont toujours fait la sourde oreille et n'ont pas abandonné leur voie. Le Seigneur m'a montré une de ces femmes. Elle était assise sur une chaise et enveloppée par les flammes. Soudain, un démon est venu et a commencé à verser un liquide sur sa tête. Le Seigneur Jésus s'est mis à pleurer. Il pleurait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur m'a dit, j'ai beaucoup souffert pour les âmes qui sont en enfer. Cette femme était une de mes servantes. Je lui avais dit de ne pas aimer le monde ni les choses du monde. Le Seigneur avait demandé à cette femme de cesser de teindre ses cheveux. Le Seigneur a dit, elle avait honte des cheveux blancs que je lui avais donnés. Elle essayait de se présenter avec un look que Dieu ne lui avait pas donné. J'avais des cheveux noirs et je voulais qu'ils soient bleutés. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Le démon continuait à torturer cette femme. Elle hurlait, suppliant le Seigneur de lui venir en aide. Le Seigneur lui a dit qu'il était désormais trop tard. Et elle a commencé à blasphémer. Nous ne pouvons pas toujours faire semblant. Un jour, nous aurons tous des cheveux blancs. Pendant que les démons lui versaient ce liquide sur la tête, son cou est tombé d'un côté. Ses cheveux tombaient. Elle a étendu les mains pour essayer de trouver de l'aide. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus voir ça.
J'ai essayé de me couvrir les yeux avec les mains, parce que moi aussi je me faisais teindre les cheveux, mais je ne pouvais pas m'empêcher de voir. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Elle avait de très longs cheveux, c'était une très belle femme, et elle voulait être plus belle encore, mais elle a commis une terrible erreur. Si Dieu nous a donné des cheveux blancs, nous devons les accepter, car cela vient de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que teindre les cheveux était un péché. J'ai dit, Seigneur, aide-la, aie pitié d'elle. Quand elle était sur la terre, le Seigneur lui avait envoyé des pasteurs pour l'avertir, mais elle n'avait jamais écouté. Elle était évangéliste. Comme plusieurs, elle voulait d'abord se présenter elle-même à la congrégation, afin d'être acceptées telles qu'elles sont. Ainsi, elles pourront enseigner tout ce qu'elles veulent. Cette femme n'a pas voulu suivre les voies de Dieu. Elle s'est retrouvée en enfer après sa mort. Et c'est une femme qui a réellement servi le Seigneur de son vivant. Le Seigneur a dit, « Je vais te montrer les femmes qui de leur vivant se maquillaient. » J'ai dit, « Seigneur, moi aussi je me maquillais. J'appliquais la poudre sur le visage pour être plus belle. » Pour couvrir les taches noires que j'ai sur le visage. Le Seigneur a dit, peindre ta face, tes cheveux et ton corps ne me plaît pas. La seule chose qui me plaît, c'est te voir comme je t'ai créé. Une femme doit me plaire et plaire à son mari. Elle n'a pas besoin de maquillage pour plaire à qui que ce soit. J'ai vu une femme qui tenait un miroir dans sa main et les démons l'obligeaient à peindre sa face. Elle appliquait un liquide sur sa face et la chair tombait de sa face. Tu es peut-être de ceux qui disent que le maquillage n'est pas un péché. Sache que quand Dieu a parlé, nous devons obéir. Cette femme a désobéi lorsqu'elle était sur la terre. Elle s'est maquillée sur la terre, mais elle est en enfer maintenant. Elle se trouve en enfer maintenant où elle est contrainte et forcée jour et nuit de se maquiller. J'ai vu d'autres femmes qui se maquillaient aussi de leur vivant. Le Seigneur a dit, ces choses ne me plaisent pas. Ne te souviens-tu pas que j'ai dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Tu dois obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Église de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous jugera tous au dernier jour. En enfer, tu seras contrainte et forcée de te maquiller exactement comme tu le faisais sur la terre. Moi aussi, j'utilisais le brillant pour faire briller mes lèvres et attirer l'attention des autres. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis coupable. Le Seigneur a dit, c'est pour cela que tu es ici, ma fille, pour que tu saches que je hais ces choses. Ces choses ne me plaisent pas. Tu vas retourner dire au monde que celui qui aime le monde me hait. La femme était enveloppée de flammes, et pendant ce temps, les démons l'obligeaient à peindre sa face. En le faisant, sa face, ses lèvres tombaient. Elle était tourmentée. Femme de Dieu, ne regardons pas ce que les autres font. Abandonnons toutes ces choses que Dieu hait. Oublions le maquillage et toutes ces peintures. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. Dieu les hait. Dieu ne négocie pas sur sa parole. Le septième groupe d'âmes perdues, c'était les femmes qui portaient des boucles. Le Seigneur m'a dit, maintenant je vais te montrer là où se trouvent les femmes qui mettaient des boucles. Là j'ai vu une femme, les démons la forçaient à mettre une boucle à son oreille. Dès qu'elle l'a fait, un énorme serpent est venu s'enrouler autour de son cou et la tourmentait. Le Seigneur est en colère contre les femmes qui portent des bijoux. J'ai dit, Seigneur, juste à cause des bijoux, des vulgaires bijoux, le Seigneur a dit, ma fille, ces choses ne me plaisent pas.
Le huitième groupe d'âmes perdues, c'était des membres de famille et des connaissances. Le Seigneur m'a amené à un endroit où j'ai vu une femme qui hurlait et criait en enfer. J'ai dit, Seigneur, de qui s'agit-il? Le Seigneur a dit, je vais te montrer de qui il s'agit. C'était une femme que j'avais connue des années auparavant. Je ne lui avais jamais prêché le message du salut. Le Seigneur m'a dit, elle est en enfer à cause de toi. Je voulais t'utiliser pour sauver son âme, mais tu ne lui avais jamais parlé de moi. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. La femme pleurait, implorant la miséricorde du Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. C'était une femme adonnée à l'alcool. Sur un écran, le Seigneur lui a montré sa vie, toutes les occasions qu'elle avait eues de donner sa vie au Seigneur. Mais elle avait refusé. Le jour où j'avais voulu parler à cette femme, je ne l'avais pas fait parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait me tuer si je lui parlais du Seigneur. Le jour où j'avais voulu parler à cette femme, je ne l'avais pas fait parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait me tuer si je lui parlais du Seigneur. Cela m'avait fait peur et m'avait découragé. Elle est en enfer maintenant. Elle s'appelle Augustine. Elle souffre en enfer maintenant. Le neuvième groupe d'âmes perdues, les drogués. En enfer, j'ai vu un homme qui était forcé de consommer de la drogue. Les démons lui ont donné quelque chose de semblable à une cigarette enflammée. J'ai dit, Seigneur, qui est cet homme? Et le Seigneur a dit, viens et vois de qui il s'agit. En m'approchant, j'ai été choqué de voir mon frère Esaü en enfer. Cela m'a fait beaucoup mal de voir mon frère souffrir en enfer. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de mon frère. Tout en étant enveloppé par les flammes, il tendait les mains vers le Seigneur, implorant sa pitié. Le Seigneur lui a dit, « Fils, tu te souviens que tu m'avais donné ta vie lorsque tu étais en prison. Tu m'avais demandé de te faire sortir de là, en promettant de me servir toute ta vie. » Mon frère a dit, « Seigneur, je sais, je m'en souviens, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi juste la chance de sortir de cet endroit. » Le Seigneur lui a montré un écran où on le voyait pendant sa détention. Le Seigneur lui avait montré le jour. Le Seigneur lui a montré le jour et toutes les promesses qu'il avait faites de servir le Seigneur. Le Seigneur l'avait fait sortir de prison afin qu'il puisse le servir. Mais une fois libre, il avait refusé de tenir sa promesse de servir le Seigneur. 2 années plus tard, il est mort sauvagement assassiné et s'est retrouvé en enfer à cause de sa désobéissance. C'est de mon frère que je vous parle. Mon propre frère est en enfer. C'est terrible. Je ne voulais pas le révéler au public, mais le Seigneur m'a dit que je devais le faire. J'ai pleuré de plus belle lorsque j'ai vu mon frère en enfer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le Seigneur pleure pour les âmes qui sont en enfer. Les mèches. Le Seigneur m'a montré une femme qui de son vivant était pasteur. Elle était assise sur une chaise, enveloppée de flammes. Les démons étaient en train de transpercer son corps. Ils ont fixé des mèches sur sa tête. Le Seigneur m'a dit, elle était pasteur, une vraie femme de Dieu, à une période de sa vie. Je l'ai utilisée puissamment, mais plus tard, elle a commencé à abuser de ma parole et à marcher selon ses propres voies. J'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Tout en criant, elle tendait les mains vers le Seigneur, implorant sa pitié et son aide. Je sais que ceci va beaucoup vous choquer, car c'est une femme qui a vraiment servi le Seigneur. Mais plus tard, elle a commencé à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Elle a dévié de sa saine doctrine, juste pour se faire plaisir. Elle disait aussi beaucoup de choses vaines. Sur un écran, le Seigneur lui a montré les choses qu'elle faisait de son vivant. Le Seigneur lui a dit, « Ma fille, tu te souviens du jour où je t'ai parlé par ma fille Elma ?» Ma sœur avait parlé à cette femme lorsqu'elle était encore sur la terre. Mais elle avait insulté ma sœur et avait refusé d'obéir. Le Seigneur a dit,
C'était là l'occasion pour toi de changer tes voies et de revenir à moi, mais tu as refusé. Ceci est ta punition. Te souviens-tu du jour où ta fille t'a embrassé et t'a dit, « Maman, reviens au Seigneur », mais tu n'as jamais écouté. Le Seigneur lui a tourné le dos et la femme a commencé à blasphémer. Notre Seigneur lui a tourné le dos et a pleuré amèrement. J'ai dit, « Seigneur, pourquoi pleures-tu ?» Le Seigneur a dit, « Ma fille, tu ne peux pas imaginer la douleur que j'éprouve pour les gens qui sont ici en enfer. » J'ai vu le trône de Satan en enfer. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer ce que je n'ai jamais montré à quelqu'un. Je vais te le montrer afin que tu saches que Satan est un menteur, un imitateur. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de cet endroit, je n'en peux plus. Le Seigneur m'a montré un trône en enfer. C'était le trône de Satan. En enfer, Satan imite le Dieu Tout-Puissant. Satan est très horrible. Je l'ai vu assis sur son trône. Il a aussi des anges autour de lui, mais ce ne sont que des démons. Il portait une robe blanche, pleine de taches et très sale. En enfer, j'ai vu 24 anciens qui jetaient leur couronne aux pieds de Satan et l'adoraient. Ce n'étaient que des démons. Le trône de Satan est plein d'imitations des choses célestes. Tout y était horrible. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Satan a alors appelé un de ses démons et lui a dit d'aller chercher et amener en enfer une personne dont il lui a donné le nom. Les démons exécutent tout ce que Satan leur dit de faire. Satan n'envoie ses démons sur la terre que pour causer des destructions. Le livre de l'enfer. Le Seigneur a dit, je veux que tu saches que Satan est réel. C'est un imitateur. Satan veut détruire le monde. J'ai alors vu un démon muni de très longues ongles qui tenait un livre. Il y écrivait les noms des gens qui devaient aller en enfer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi font-ils cela? Le Seigneur a dit, va dire au monde que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie ont leur nom écrit dans le livre de l'enfer.
va dire au monde que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie ont leur nom écrit dans le livre de l'enfer. Le Seigneur a dit, regarde, ce démon a été envoyé sur la grande route pour causer des accidents. Satan et ses démons sont responsables de plusieurs des accidents qui ont lieu sur les axes routiers. Grande route pour causer des accidents. Satan et ses démons sont responsables de plusieurs des accidents qui ont lieu sur les axes routiers. J'ai dit, Seigneur, c'est horrible. Le Seigneur m'a dit, c'est nécessaire que tu vois toutes ces choses afin que tu puisses expliquer aux gens ce à quoi l'enfer ressemble réellement. Il faut que tout le monde sache et croie que l'enfer est réel. J'ai goûté au tourment de l'enfer. Ensuite, le Seigneur m'a emmené à un autre endroit. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de cet horrible endroit, s'il te plaît. Le Seigneur m'a prise par la main et pendant que nous partions, un démon très grand et très horrible, muni de longs ongles, a surgi. Il m'a saisi par les cheveux et m'a emmené. Je ne pouvais plus voir le Seigneur. Le Seigneur avait disparu et m'avait laissé toute seule. Le démon m'a entraîné quelque part et d'autres démons sont venus et ont commencé à faire toutes sortes de choses terribles à mon corps. Une voix me disait, tu vas passer ton éternité ici en enfer, tu vas être tourmenté, tu vas éprouver toute la douleur et la tristesse qu'il y a ici en enfer. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas supporter ça. Un démon qui avait une très longue bouche a surgi. Il est monté sur moi, j'ai essayé de le repousser. Mais je n'ai pas pu. Il a introduit de force sa bouche dans la mienne et je pouvais sentir sa salive dans toute ma bouche. J'ai crié, Seigneur, pourquoi permets-tu que tout ceci m'arrive? Le Seigneur a dit, c'est nécessaire. Il le faut pour que tu dises aux gens que l'enfer est réel. Le Seigneur a dit, je suis un Dieu saint. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui commettent toutes sortes d'actes immoraux avec leur bouche. J'ai dit, Seigneur, comment puis-je dire toutes ces choses? Le Seigneur a dit, dis-leur tout ce que je t'ai montré. Le Seigneur m'a montré un écran et j'ai vu beaucoup d'immoralité. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui commettent toutes sortes de péchés secrets. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur a dit, dis-leur de changer. Dis-leur que je suis un Dieu saint. Dis-leur qu'ils doivent me glorifier avec leur bouche et non commettre l'immoralité avec elle. Moralité. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui commettent toutes sortes de péchés secrets. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur a dit, dis-leur de changer. Dis-leur que je suis un Dieu saint. Dis-leur qu'ils doivent me glorifier avec leur bouche et non commettre l'immoralité avec elle. J'ai dit, Seigneur, éloigne de moi ces démons.
car le démon était en train de sucer tout mon corps. Sa salive était noire. Elle était sur tout mon corps. C'était terrible. L'odeur en enfer est terrible. C'est plus que celle d'un chien pourri. C'est une odeur indescriptible. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. Le Seigneur m'a dit, ma fille, calme-toi. C'est très nécessaire que tu passes par toutes ces choses. J'ai dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seul? Un autre démon a surgi et m'a emmené où il y avait des gens en train de danser. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai été placé dans les flammes et quelque chose me forçait à danser. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ceci m'arrive-t-il? Il a dit, parce que tu danses au rythme de n'importe quelle musique chrétienne et de toute autre musique qui te plaît. Le Seigneur m'a dit, ces choses ne me plaisent pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne danserai plus de cette façon. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de gens comme toi parmi mon peuple qui dansent comme les mondains. Ils tournent leur corps de manière provocante, comme les mondains. Mes yeux ne peuvent pas supporter ces choses. Les démons me transperçaient, ils me tourmentaient. J'étais enveloppé par les flammes. Je suis passé par toutes ces choses. C'était horrible. Je ne suis pas en train de vous dire des mensonges. C'est la vérité. L'enfer est réel. J'étais là-bas. Les démons m'ont soulevé et m'ont jeté dans un endroit où il y avait beaucoup de vers. Les vers montaient sur ma face et entraient dans mes oreilles, mes yeux, dans toutes les parties de mon corps. C'était de très gros vers. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne peux plus supporter, c'est trop. Je vais changer mes voies maintenant. S'il te plaît, sors-moi de cet endroit. Plus supporter, c'est trop. Je vais changer mes voies maintenant. S'il te plaît, sors-moi de cet endroit. Le Seigneur a dit, c'est nécessaire. C'est pour que tout le monde comprenne que l'enfer est réel. Va leur dire que l'enfer est réel. À ce moment, je me suis rappelé l'histoire de Lazare et du mauvais riche dans le livre de Luc. Quand mon frère a tendu ses mains, il a dit, Seigneur, envoie ce message à ma famille afin qu'ils ne viennent pas en enfer. Seigneur, dans le livre de Luc.
Quand mon frère a tendu ses mains, il a dit, Seigneur, envoie ce message à ma famille, afin qu'ils ne viennent pas en enfer. Le Seigneur m'a dit, rappelle-toi l'histoire du riche homme et Lazare. Le riche voulait que Lazare soit envoyé sur la terre pour avertir ses frères de l'existence de l'enfer. J'ai été sorti de cet endroit où j'ai été torturé par les vers de terre. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu parles de ces choses. Fais savoir aux gens que mon amour pour eux est réel. Faut que tu parles de ces choses. Fais savoir aux gens que mon amour pour eux est réel, que le monde sache que le ciel et l'enfer sont des réalités. Beaucoup d'âmes seront sauvées grâce à ce témoignage, ma fille. Je devais te perdre si je ne t'avais pas amené ici. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de l'enfer. En enfer, je suis passé par beaucoup de tourments, avec les flammes sur tout mon corps. Et soudain, une grande lumière est apparue. C'était le Seigneur. J'ai couru vers lui et je l'ai serré fort en disant, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seul? Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur a dit, ma fille, il fallait que tu ressentes ce que les âmes éprouvent en enfer. Ainsi, tu pourras bien parler au reste du monde. Ensuite, nous avons quitté cet endroit. Le Seigneur m'a montré bien d'autres choses par la suite, mais il ne m'a pas encore permis de les révéler. J'en parlerai lorsqu'il m'en donnera l'ordre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Nantes Reborn. Aujourd'hui, nous repartons encore pour une vidéo très intéressante, franchement, qui m'a touché. Un enfant. Oh, s'est retrouvé en enfer. Waouh, qu'est-ce qu'elle a vu? Regardons tout simplement, écoutons tout simplement les témoignages, regardons également et nous proposons beaucoup de choses. Alors, c'est parti. Mi nombre es Nayeli Gómez Utus. Mon nom est Nayeli Gómez Utus. J'ai 11 ans. Hermanos, hermanos. Mes frères, mes sœurs. Familias en Cristo. Famille en Christ. Personas de todo el mundo. Les personnes du monde entier. Mis cordiales saludos. Recevez mes salutations distinguées. Hermanos, je veux vous dire, mes frères, qu'avant, à l'enfant que je suis,
J'aimais mettre des boucles d'oreilles. Je suppliais même, je pleurais à mes parents afin qu'ils me l'achètent. Avec mon argent de poche, je l'achetais. J'aimais mettre des vernis. J'aimais mettre les parfums de mes parents et de mes tantes. J'aimais beaucoup me couper les cheveux et même sans l'autorisation de mes parents. J'aimais beaucoup regarder mes Barbies. Je regardais toutes sortes de dessins animés. Je regardais les telenovelas et même les combats. Et des fois, pour voir ces choses, je n'allais pas à l'église. Toutes ces personnes qui pratiquent ces choses du monde, cela ne plaît pas à Dieu. Parce que les gens qui ont pratiqué, les parents qui ont regardé le sport, et les mamans qui ont regardé les telenovelas, les jeunes qui vont en boîte, les enfants qui regardent leurs dessins animés et qui sont morts aujourd'hui, ils sont en enfer. J'étais témoin de cela. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Celui qui confie en lui, il ne mourra jamais. Il aura la vie éternelle. Mes frères, je t'invite à fermer tes yeux et à te mettre debout pour que tu m'aides à faire une courte prière afin que je commence mon témoignage. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton esprit vienne sur moi afin que je puisse témoigner ce que tu as fait avec moi. Prends le contrôle de mon être afin que je puisse témoigner. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous allons donc poursuivre le témoignage et tout simplement l'écouter, et que nous poursuivons le témoignage, nous allons l'écouter et comprendre pourquoi elle a annoncé toutes ces choses dans son introduction. Ceci est mon témoignage. Le 29 juin 2013, cette année, moi, mon frère et moi, nous venons à l'église et mes parents ne sont pas venus. Nous sommes partis à l'arrière de l'église. Quand nous sommes arrivés, au moment où ils disaient au revoir, on s'est mis à prier. D'un coup, j'ai vu le visage d'un démon qui me disait: Viens, 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 je vais te rendre heureuse. Viens, viens. Wow. Et je lui ai dit à mon frère, regarde le visage. Mais le frère me disait: mais quel visage, Nayeli? Et le démon continuait à parler, il disait: viens, 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 je vais te rendre heureuse.